Tenez les amis, là je vais vous passer un petit coup de Nils Landgren, à ne pas confondre avec Nils Lofgren qui lui fait de la gratte acoustique. Là on a un petit groupe de musique funky, tu vois, c'est moderne, funky soul, et je pense que ça peut te plaire ce petit son là sur les CF4. Et de toute façon sur les CF4, j'ai envie de te dire qu'il y a, tu peux passer beaucoup de styles musicaux et elles sont vraiment agréables. Voilà, allez, c'est parti, je te balance ça. T'as vu, j'ai un peu la voix cassée, hein, mais c'est normal, ça c'est en faisant la bringue, tu vois. À force de faire la bringue, on n'a plus de voix. Allez, zoom!
sympa cette petite écoute. En plus, tu vois, avec le petit café qui accompagne, comme d'habitude, la petite vidéo. J'en bois pas trop, hein, parce que sinon je suis excité comme une mirambelle de Watt. Et tu vois, regarde, je vais te montrer un truc. Attends, je les mets là. Parce que après là, je vais aller chez Christophe. J'allais pour lui amener mes beaux haut-parleurs JBL. Et ce sont les 2214H1, des très beaux haut-parleurs JBL, tu vois. Comme on en fait plus beaucoup maintenant. Hein. Là, tu as un beau châssis, tu vois, un bel haut-parleur. Donc, je lui ai demandé qu'il va me refaire les suspensions. Parce que quand je les ai achetées, tu vois, la suspension, en fait, celle-ci, je suppose, je sais pas si elle est d'origine. Enfin, je pense que ça a dû être déjà refait parce que tu vois, ça se décolle un peu. Peut-être que c'est d'origine, je sais pas. À mon avis, peut-être que non, parce que avec le temps, ça se désagrège. Et donc, c'est sur celui-ci où le travail a été fait, mais. Tu vois, c'est pas le même dust cap. Et puis bon, voilà, la suspension, elle n'est pas adaptée. Elle est pas du tout adaptée au haut-parleur. Donc ça, à mon avis, ça, c'est peut-être une suspension sur le LE14H1, tu vois, un petit peu dans le même genre que sur mes 240 Ti. Mais c'est pas une suspension qui va pour ce haut-parleur-là. Dans tous les cas, ça se voit qu'elle n'est pas adaptée. Voilà, donc tu vois, je vais amener ce beau haut-parleur aussi là. Donc chez Christophe qui va me refaire ça au propre et donc avec le rendu escompté, que ce soit sonore et visuel. Voilà les amis pour la petite info. Parce que après je vais aller chez lui faire une petite vidéo voilà, en détente. Vu que je lui amène ça, on va essayer de. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous réserver comme surprise à présenter comme enceinte. Bon bah voilà, mais surtout que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu donc voilà. Comme beaucoup de monde, hein, même avec Francis, on doit faire des vidéos, tout ça, c'est dommage. Parce qu'avec le couvre-feu, 18h, c'est très compliqué de se voir. Parce que bah forcément, là, voilà, c'est chaud, la journée elle passe très très vite. À moins qu'on commence à faire des vidéos à 6h30 du mat, 7h. Et on fait ça toute la journée. Mais bon. Voilà les gars. Et puis aussi avec Fabien, où je dois comparer donc les Klipsch CF4 avec ces Klipsch KLF30. T'imagines ça, ça va être stylé aussi. J'ai hâte que ça se fasse. Et puis, bah, après, il y a les Klipsch CF4. De mon pote Jean-Michel. Donc Jean-Michel, pareil, je ne l'ai jamais vu encore, mais il est possesseur de ces enceintes-là. Il a la version première. Moi, j'ai la version numéro 3. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui changent entre ces enceintes-là, entre ces versions-là. Lui, il a la première version avec. En fait, tu le vois au niveau des ports, des ports basse réflexe, qui sont plus longs. Et aussi au niveau du câblage interne. Puis, la membrane qui est, me semble-t-il, plus. Je sais pas si elle est plus grosse ou moins épaisse sur la version 1. Je sais plus trop. Enfin, tu vois, ça. Tout ça, on verra ça dans une présentation bien structurée pour les clips CF4. Voilà, les gars. Bon, on va continuer un petit peu les écoutes. Ouais, tu vois, il est déjà 1h15. Ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Et j'aimerais aussi vous présenter un autre ampli que je vais rendre demain parce qu'on me l'a prêté. C'est le Lean. Je le montre quand même, le Lean LK100. Donc c'est un ampli de puissance qui est plutôt bien foutu. Mais bon après je te dis à voir au son. Donc cet ampli-là, je pense que je vais le mettre en association avec mon audio recherche que j'ai dans la chambre là-bas. Donc j'espère pouvoir sortir l'audio recherche qu'il n'est pas enfoui au loin parce que ça va être la galère pas possible. Donc voilà, comme ça je peux faire un petit essai de cet ampli-là. Avant de le rendre à mon pote Fred. Voilà les gars, bah écoutez, bah je crois que j'ai fait le tour hein, un petit peu de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais un petit vlog en même temps comme ça. Hein. Ça, et puis aussi au niveau du temps, j'aurai encore moins de temps là ces derniers. Plus tard, parce que je vais aussi travailler les dimanches. Donc bah voilà, c'est comme ça, la livraison le dimanche, ça va être à venir. Donc là, dès la semaine prochaine, des fois on n'aura pas de week-end, donc il faudra essayer de trouver du temps de libre en semaine. Voilà. On va essayer de s'accommoder, mais bon, c'est pour ça, là, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire quelques vidéos, malgré le peu de temps qu'il y a. Mais bon, après, voilà, on fait avec, en tout cas. On fait avec. Et je prends un peu de force, parce que je suis quand même fatigué. Ça réveillote. En même temps, ce week-end, c'était les bières. Donc forcément, c'était pas la même chose, hein, c'était pas la même danse. Allez, les gars, je vous laisse. Et puis, bah, écoutez, on va se faire encore deux, trois petites écoutes. Mais voilà, c'est déjà pas mal.